La Banque africaine de développement soutient l'assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou. La banque a mis 25 milliards de francs à la disposition de la mairie pour la réalisation d'un projet qui coûte 28 milliards de francs. Les 3 milliards seront à la charge de l'État et la mairie. Zalissa Sanfo et Yolande Lompo. Par ces signatures, la Banque africaine de développement met à la disposition de la mairie de Ouagadougou la somme de 25 milliards de francs CFA, une somme destinée à financer le projet d'assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou. Le coût global de la mise en œuvre de ce projet est estimé à 28 milliards de francs CFA. L'État et la mairie devront apporter les 3 milliards manquants. Ce choix-là a été motivé par la reconnaissance des problèmes importants auxquels la ville faisait face et les problèmes qui étaient liés aux inondations fréquentes auxquelles étaient confrontées donc, les populations des quartiers périphériques et notamment les inondations de 2009. Donc ce projet vise à améliorer donc les évacuations des eaux pluviales, mais aussi la gestion des déchets solides dans la ville. Et à travers ce projet, donc des emplois seront créés. C'est avec beaucoup de joie que nous accueillons la signature de cette convention. Il s'agit d'aménager la partie en aval du canal du Moronava, dans la partie située au sud de la ville de Ouagadougou, mais aussi permettre en tout cas l'élargissement, l'extension du centre d'enfouissement technique, notamment pour faciliter en tout cas le traitement et la gestion des déchets. Il y a également un autre pan, c'est le renforcement des capacités des acteurs de la commune de Ouagadougou. Vous savez que nous avons à faire face de plus en plus à des grands projets et il est important que nous puissions disposer des compétences. Les travaux de ce projet d'assainissement devraient débuter en janvier 2014 pour une durée d'exécution de 4 ans.